Ce cours aujourd'hui va porter donc, va approfondir ce qui a été abordé dans les deux cours précédents, et en particulier la question de la fonction de la répétition telle que la rend possible la rétention tertiaire. C'est-à-dire que nous allons revenir sur la question de savoir ce qui se passe lorsque nous écoutons. Tiens, pour une fois, ça marche, ça. Portail UTC, d'habitude, j'arrive jamais à me brancher dessus. Que se passe-t-il lorsque nous écoutons... Excusez-moi, il faut que je retrouve... Voilà. Lorsque, par exemple, nous sommes, vous vous souvenez, un dimanche après-midi, en reprenant cette petite allégorie, c'est dimanche, c'est l'automne, c'est un peu l'été indien en ce moment, donc tout va bien, mais admettons que c'est un automne classique, à Compiègne, un dimanche, on s'ennuie. Et au lieu de regarder la télé ou de lire ses SMS ou je sais pas quoi, au lieu de regarder un film en DVD ou je ne sais pas quoi, eh bien, on décide de réécouter un morceau de musique qu'on aime beaucoup. Morceau de musique qui peut être n'importe quelle musique, mais qu'on aime beaucoup. Je repasse, alors ça ne se fait plus avec ça, si je vous montre ça, c'est parce que bon, ça n'existe plus, ces platines. Ça existe maintenant chez les collectionneurs, tout ça, mais bon. Vous n'avez sûrement pas de platine comme ça. Moi-même, j'en ai une, mais elle est à la cave, et je m'en sers plus du tout. Je vous montre ça pour diverses raisons qui vont se clarifier bientôt. Mais notamment parce que, voilà, c'est avec cet appareil-là que sont nés les amateurs de musique baroque, par exemple. Il y a un livre très très bien qui a été fait là-dessus, La naissance de l'amateur de musique baroque, lié à la chaîne Haute Fidélité. Les amateurs de rock, qui sont des gens qui réécoutaient beaucoup les morceaux, qui apprenaient à jouer de la guitare sur un morceau. Les amateurs de jazz, comme Charlie Parker, qui apprenaient à jouer du saxophone en réécoutant les choruses de Lester Young sur son gramophone. Et moi-même, j'ai fait ça aussi. Etc. Cette platine a été quelque chose de très important, sur lequel d'ailleurs, sur laquelle cette chose, un grand musicien qui s'appelle Glenn Gould, un des plus grands interprètes de Jean-Sébastien Bach, a écrit un texte magnifique, vous trouverez très facilement en ligne si ça vous intéresse. En 1965, dans la revue Hi-Fi, il disait « Bientôt ces trucs-là seront numériques, et quand ils seront numériques, on pourra faire des choses fabuleuses avec. » Il a dit ça en 65, il y a donc 50 ans exactement. Comment se fait-il que rien n'ait été fait de fabuleux avec, pour le moment? Ben, ça, nous en parlerons peut-être plus tard. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je réécoute, admettons, cette situation. Je suis, prenons le cas, non, je ne suis pas en train de réécouter un morceau que j'ai déjà écouté 50 fois de suite, mais je réécoute un morceau que j'ai écouté la semaine dernière. Voilà. Un copain ou une copine m'a apporté un morceau en disant « Tu devrais écouter ce truc-là, c'est formidable ». Peut-être une nouvelle pièce, nouvelle interprétation de Jean-Sébastien Bach, si vous aimez la musique classique baroque. C'est peut-être un nouveau morceau de Jimi Hendrix ou de je ne sais pas qui, bon, n'importe quoi d'autre. Peu importe, vous l'avez écouté une fois. Et vous le réécoutez une deuxième fois, ce dimanche après-midi d'automne à Compiègne. J'écoute la deuxième fois. Qu'est-ce que j'entends à la deuxième audition ? Eh bien, je vous disais la dernière fois, dans le dernier cours, vous avez vu que ce que j'entends dans la deuxième audition procède du fait que j'ai déjà entendu antérieurement le morceau. C'est-à-dire que j'écoute le morceau maintenant à partir du fait que je l'ai déjà écouté une première fois. Je ne m'en suis pas du tout forcément rendu compte. Hein. La plupart du temps, je ne me rends pas du tout compte de ces choses-là. Mais c'est ça qui se passe. Et ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, la deuxième fois, j'entends autre chose que la première fois. Ou plus exactement, j'entends pas autre chose que la première fois. J'entends la même chose, c'est le même morceau de musique, mais j'entends la chose autrement.
pour le redire dans le langage de Husserl, elle m'apparaît différemment. L'objet est le même, mais le phénomène est différent. C'est ainsi parce que la première fois, je n'avais jamais entendu la mélodie, tandis que la seconde fois, ce qui se présente est déjà connu. Mais du fait que ça se présente une deuxième fois, et donc que c'était déjà connu, ça se présente du même coup autrement que la première fois. C'est la répétition qui fait que ça se présente autrement. Du fait, et de ce fait, ça peut se présenter d'une manière inattendue. C'est-à-dire, ce que je m'attends à entendre peut devenir inattendu. En réalité, il y a trois cas possibles. Il y a un cas où je mets le truc, mais je ne l'écoute pas. Je mets un morceau de musique, comme des fois j'allume la radio ou la télé ou je ne sais pas quoi, mais je n'écoute même pas. Je fais ça parce que c'est un tic. Il y a plein de gens qui se réveillent le matin, clac, ils appuient sur leur truc de radio, ils n'écoutent absolument rien. Il y a énormément de gens qui mettent la télé pour soi-disant voir les informations, qui regardent absolument rien du tout. Vous leur demandez qu'est-ce qu'il a dit le type ? On ne sait rien du tout. La plupart d'entre nous, en fait, nous sommes dans cet état aujourd'hui de crétinerie massive. Je vous signale que c'est un état assez récent. Il n'y a pas très longtemps que les êtres humains vivent comme ça. Ils déclenchent un truc, ils ne l'écoutent absolument pas. Ce qui est grave. Ça s'appelle la destruction de l'attention. Je vous rappelle que l'attention, chez moi, c'est l'articulation entre les rétentions et les protentions. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans cet état de stupidité massive qui nous frappe tous plus ou moins, à ce moment-là, ça nous frappe par moment, pas tout le temps, heureusement, peut-être que vous faites attention, vous êtes en train de remettre un morceau, vous vous dites, tiens, j'ai écouté ce truc-là que quelqu'un m'a conseillé la semaine dernière, et vous le remettez en disant, je vais bien réécouter. Et il y a deux possibilités dans ce cas-là. Je vous ai dit, il y a trois possibilités, vous n'êtes pas attentif. Et éliminons ce cas-là. Admettons que vous êtes attentif ou attentive, et dans ce cas-là, il se passe deux choses possiblement. Soit ce qui se répète, c'est appauvri. C'est appauvri au sens où ça se présente à vous de manière moins attractive, moins singulière, moins nouvelle, moins intéressante. Et vous allez laisser tomber. Vous allez très vite laisser tomber en vous disant, ça ne m'intéresse pas. Soit au contraire, ça va s'intensifier. Par exemple, en vous heurtant plus encore que la première fois, je vous dis ça parce que dans ce cours, je parle toujours d'une expérience que j'ai eue il y a bien longtemps, quand j'étais très jeune, j'avais 14 ans, j'étais amateur de jazz, mais plus précisément de période du jazz qu'on appelle le swing. Et un jour, j'ai rencontré un type qui m'a dit, tu vas écouter Charlie Parker. Il m'a fait écouter Charlie Parker et pour moi, c'était horrifique. Je détestais cette musique. Mais comme c'était un ami, je l'ai quand même écouté la deuxième fois. Et la deuxième fois, ça m'a encore paru encore plus horrifique que la première fois. Mais en même temps, j'ai eu envie de continuer. Heureusement, parce que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de plaisir ensuite dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que la deuxième fois, c'est pas forcément un plaisir que ça va vous produire, mais en tout cas, ça va vous produire de l'inattendu. C'est-à-dire que quelque chose va se présenter qui ne s'était pas présenté la première fois, donc vous attendez à quelque chose, à un objet, et cet objet, oui, il se répète, mais précisément, il ne se répète pas comme la première fois. Donc, il est inattendu. C'est ce que j'appelle l'attente de l'inattendu. C'est évidemment quelque chose d'un peu paradoxal. Dans le cas où se produit une variation, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, autrement dit, dans le cas où je suis attentif et où je constate une variation, quand je dis que je constate, c'est pas forcément, je le répète, consciemment. Enfin, je réfléchis pas quand j'écoute un morceau de musique à ce qui se passe dans ma tête. Non, bien sûr que non, ça se passe pas comme ça. Mais néanmoins, j'ai un affect qui va être positif. C'est-à-dire que je vais être affecté par la musique positivement. Il va se produire quelque chose qui va faire que je vais le réécouter une troisième fois, par exemple. Ou que je vais dire, ah ouais, le truc est vachement intéressant. Ou alors, ah non, je ne supporte pas, ça me contrarie, mais ça va me faire quelque chose, ça ne va pas me laisser indifférent. C'est possible parce que l'antériorité de la première audition, je reviens à mon cas, là, je suis un dimanche, c'est la deuxième fois que j'écoute le morceau. La première audition qui était une agrégation de rétention primaire, maintenant, elle est devenue le souvenir de rétention secondaire. Elle est devenue une rétention secondaire. Je me souviens qu'un tel ou une telle m'a dit, tiens, tu devrais écouter ce truc-là. Je l'ai écouté, effectivement. C'est un souvenir. C'est passé hier, c'est passé il y a une semaine, c'est passé il y a 6 mois, peu importe. Mais c'est un souvenir, et donc ça relève de l'imagination, et donc aussi de la fiction. Je dis « donc aussi de la fiction » parce que
Vous savez, on dit souvent qu'il y a des gens qui sont mythomanes parce qu'ils enjolivent leur passé. Il y en a d'ailleurs qui le noircissent, parce qu'ils ne sont pas mythomanes, ils sont plutôt mélancoliques, ils ont tendance à noircir tout. En fait, plus vous vieillirez, plus vous apercevrez que vous transformez le passé en permanence. Vous effacez des choses dans le passé qui vous ennuient d'abord, vous les effacez carrément, vous n'en souvenez plus. Et puis il y en a d'autres, vous les transformez à tel point que moi, par exemple, il m'arrive souvent maintenant, y compris quand je fais des cours, je me mets à parler de quelque chose que j'ai lu il y a 20 ou 30 ans, etc. Puis d'un seul coup, j'ai un doute. Je me dis, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment lu ou ce n'est pas moi qui l'imagine? Et c'est vraiment quelque chose dont vous verrez que plus vous vieillirez, plus ça vous poserait ce type de problème. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, le passé, notre passé, nous le transformons en permanence. Nous n'en rendons pas vraiment compte. C'est pour ça que, par exemple, on dit, des petits-enfants, par exemple, qui vous racontent une histoire qu'ils ont vécue pendant leurs vacances, ils ont 8 ans, disons. Ils ont vécu dans leurs vacances quand ils avaient 5 ans, un truc. C'est pas vrai du tout, ça n'a pas existé. Alors, on va dire, ils sont menteurs. Ils mentent. C'est pas vrai, ils mentent pas. Ils transforment, ils construisent ce passé, ils y ajoutent ce que j'appelle de la post-production. Tout comme vous pouvez au cinéma prendre des images, etc. Puis après, vous prenez. Autrefois, c'était des effets spéciaux. Maintenant, vous prenez des logiciels, il y en a plein qui, sur le marché, qui vous permettent de modifier les images, etc. Ce sont des effets spéciaux. En fait, la mémoire produit tout le temps des effets spéciaux. C'est pour ça que Husserl s'en méfie énormément. Il dit la mémoire, c'est du passé, donc de l'imagination. Or, l'imagination, ça produit des effets spéciaux, donc de la fiction. Donc, si on veut, le problème de Husserl, c'est de refonder les mathématiques. Donc, si on veut refonder rationnellement les choses, nous ne nous appuyons pas sur le passé. J'ai essayé de vous dire pourquoi on est obligé de s'appuyer sur le passé, que Husserl lui-même y est obligé, mais il ne s'en rend pas encore bien compte à cette époque-là. Et maintenant, je reviens à mon disque, au morceau de musique qui est là, au début du disque. Je réécoute. Et ce que j'avais entendu la première fois, c'est du passé. Et c'est donc quelque chose que je reconstruis. D'accord ? Comprenez ce que je veux dire ? Par exemple, vous écoutez un morceau de, disons, Jimi Hendrix, que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous avez bien tort. Jimi Hendrix, c'est un très, très grand musicien. Admettons que vous ne connaissez pas Jimi Hendrix, mais vous connaissez les Stones. Bon. Parce que c'est beaucoup plus connu. On va vous faire écouter un morceau de Jimi Hendrix, vous l'écouterez à partir des Stones. Et vous en souviendrez beaucoup à partir des Stones. Parce que votre référent dans le domaine du rock, ce sera les Stones. Et donc vous allez produire un Jimi Hendrix très bizarre. Un Jimi Hendrix rock'n'rollisé. C'est pas du rock'n'roll, Jimi Hendrix, du tout. C'est tout à fait autre chose. C'est Jimi Hendrix. Voilà. Voilà, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que tout ça, ça fonctionne de manière assez complexe. Et évidemment, vous n'en avez jamais conscience parce que ça se produit... C'est un mécanisme, enfin c'est pas un mécanisme, c'est un processus qui se produit, y compris dans votre cerveau, extrêmement rapidement. C'est un processus extrêmement complexe. Mais on peut l'analyser et le détailler en utilisant par exemple les concepts de Husserl et en transformant ces concepts. Du moins, c'est mon point de vue, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que sinon on n'y arrivera pas. Ce déjà, qui est le fait que j'ai déjà entendu le morceau, la deuxième fois que j'écoute le même morceau engendre du pas encore. C'est-à-dire que dans le déjà entendu, ce que j'entends la deuxième fois, c'est un truc que je n'avais pas encore entendu. Je vous signale que déjà et encore, dans la recherche du temps perdu de Proust, c'est extrêmement important. Il y a un très bel article d'Almud Grésillon sur ce sujet. Je ferme cette parenthèse. Le déjà entendu donne lieu au pas encore entendu. C'est-à-dire qu'il prépare la nouveauté que vous n'aviez pas encore entendu. C'est lui qui la rend possible. C'est que la deuxième fois que vous pouvez entendre ce que vous entendez la deuxième fois. Vous n'auriez pas pu l'entendre la première fois. Il faut qu'il y ait eu la première fois pour qu'il y ait lieu la deuxième fois. Et ce que ça produit, tout ça, eh bien, ce sont des activations de ce que nous verrons plus tard, pas aujourd'hui, mais bientôt, être des archiprotensions, ce que j'appelle des archiprotensions. Ça, c'est un concept que vous ne trouverez pas du tout chez Husserl. Et je vous dirai plus précisément bientôt ce qu'il signifie pour moi. Si il peut y avoir une activation de protension dans la deuxième fois qui n'avait pas eu lieu la première fois, c'est parce que entre les deux auditions, la première fois que j'ai entendu le morceau et la deuxième fois que je l'entends, ma conscience a changé.
Elle a changé pour mille raisons. D'abord parce qu'il y a une semaine, c'était il y a une semaine, et en une semaine, il se passe plein de choses, donc je ne suis plus exactement la même personne, il m'est arrivé de nouvelles choses. Je vous ai expliqué que nous sommes des boules de neige et que nous accumulons de la mémoire et que les derniers événements qui nous sont arrivés reconfigurent tous les événements précédents. Et d'autre part, parce que de toute façon, j'ai entendu une première fois déjà ce morceau, et ça a produit ce que dans un langage qui est celui de Sigmund Freud dans ce livre, qui s'appelle L'Entwurf einer Psychologie, l'esquisse d'une psychologie scientifique, c'est ça le titre exact. Dans ce texte-là, Freud dit il se produit dans le cerveau, à chaque fois que le cerveau perçoit quelque chose ou pense quelque chose, ce qu'il appelle des frayages. Et il fait un schéma comme cela. Je le mets juste pour vous inviter à lire ce texte, qui est extrêmement important, Sigmund Freud, mais je ne vais pas le développer maintenant. Un frayage qui s'opère entre des neurones. Là, ce que vous voyez là, codé alpha et bêta, ce sont des neurones. Alors, je vous dis cela juste pour vous dire que ce que je suis en train d'expliquer dans le champ de la phénoménologie, on peut le transférer dans le champ de la neurologie. Et d'ailleurs, je travaille avec une américaine qui s'appelle Marianne Wolf, qui est une neurologue et qui utilise ces concepts qui viennent de la phénoménologie pour interpréter ce qui se passe dans le cerveau. Je ferme la parenthèse. La rétention primaire, revenons maintenant au point de départ. Le point de départ, c'est la rétention primaire. La rétention primaire, c'est une sélection. Je vous l'ai dit depuis le début, hein, R1 égale S1, c'est une sélection, qui est effectuée selon des critères qui sont établis au cours de frayages précédents. Ces frayages se constituant en rétention secondaire, c'est ça un frayage. Le frayage, c'est ce qui va se métastabiliser dans le cerveau, avec des renforcements synaptiques, etc., comme étant un lien synaptique qui va devenir relativement stable, qui va être métastable pour être précis. Et ça, c'est une rétention secondaire. Ça s'appelle un souvenir. Et ces frayages ont eux-mêmes été issus de sélections précédentes, issus de frayages précédents, etc. Tout ça, c'est cumulatif. D'accord ? Ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui... Oui, je vous en prie. C'est juste que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous venez de dire que la rétention primaire, c'est frayages, et donc, oui, c'est-à-dire que quand vous, ce sont des frayages qui produisent d'autres frayages. Ce que je vous dis là, depuis tout à l'heure, c'est une rétention primaire, c'est une sélection primaire, vous êtes d'accord? Cette sélection primaire, elle est opérée à travers des rétentions secondaires, qui sont les critères de la sélection. D'accord? C'est clair ça? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire. J'ai cru que vous étiez en train de dire que l'attention primaire venait des attentions secondaires, alors que vous pensez que l'attention secondaire venait des attentions primaires. Ah non, effectivement. Les rétentions primaires deviennent des rétentions secondaires, mais les rétentions secondaires ne deviennent pas des rétentions primaires. Les rétentions secondaires permettent de sélectionner des rétentions primaires. Ce sont des critères de sélection. D'accord ? Et elles le permettent parce qu'elles ont été frayées autrefois, dans le sens de frayer, ça veut dire qu'il y a un chemin qui s'est tracé parmi les synapses, hein, tout simplement. Et ça donne lieu, ces frayages antérieurs, à un nouveau frayage, parce qu'une rétention primaire, c'est un nouveau frayage qui s'opère dans le cerveau à travers la perception. D'accord ? Là, je ne fais que vous rappeler des choses que j'ai dites, en fait, précédemment, hein. Que je redéveloppe, et c'est utile, la preuve, parce que tout ça est très compliqué, hein, bien entendu. Maintenant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, qui est nouveau, ça va être un des aspects de ce cours, il y aura deux aspects principaux aujourd'hui dans ce cours. Le premier aspect, c'est l'oubli. Si la rétention primaire est une sélection, ça veut dire qu'elle est un oubli primaire. Ça veut dire aussi que la mémorisation, c'est un oubli. Mémoriser, c'est oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est oublier tout, bien entendu, sinon on ne mémoriserait rien. Ça veut dire qu'on ne mémorise quelque chose qu'en oubliant des éléments de la chose. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il en va ainsi. C'est ce que je noterai donc comme ceci. R1 égale S1 égale oubli. Ce que j'appelle l'oubli primaire.
La rétention primaire, c'est un oubli primaire parce que c'est une réduction de ce qui se passe, de ce qui est en train de passer. La rétention primaire, c'est le passage. Par exemple, si vous retenez primairement dans ce que je dis quelque chose, c'est le passage de mon cours qui vous fait retenir. Hein, d'accord ? Mon cours se passe. C'est le cours de mon cours. Au cours de mon cours, vous retenez des choses et ça fait que le cours se passe et qu'il vous arrive à vous. Quelque chose se passe en vous à travers mon cours. Vous retenez quelque chose, ça vous transforme. D'accord ? Et ce passage, eh bien, il va devenir du passé. C'est pour ça que ce qui est pour le moment encore du présent, par exemple mon cours, tout à l'heure, ce soir, demain, la semaine prochaine, sera devenu du passé. Ah ouais, Stiegler avait dit que c'est du passé. Pour que vous puissiez le retenir, ce cours, il faut que vous ne reteniez pas tout. Si vous reteniez tout, vous ne retiendriez rien du tout, en fait. Vous ne retiendriez rien du tout. C'est-à-dire, dans le tout, vous n'auriez rien sélectionné, et donc ça ne vous affecterait pas. Ça serait Stiegler, purement et simplement. Non, il ne faut pas que ce soit Stiegler. Il faut que ce soit vous qui produisez ce que je dis. Sinon, ça ne vous arrive pas. Ça ne vous marque pas, tout simplement. Ça ne s'inscrit pas dans votre mémoire. Et c'est comme ça que se produisent des rétentions secondaires, que vous produisez vos rétentions secondaires de ce que j'ai dit. Et c'est comme ça que se produit un enseignement en général. Alors, ayant dit cela, concluons tout ça en disant que les rétentions secondaires habitent par avance le processus de rétention primaire. C'est-à-dire que pour que vous puissiez être affecté par ce que je dis, il faut que vous sélectionniez, et vous ne pouvez sélectionner qu'en fonction de rétentions secondaires qui sont des critères de sélection pour vous. D'accord ? Ça veut donc dire que dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous écoutez, dans tout ce que vous percevez, en fait, par avance, vous y projetez ce que vous êtes. Puisque vous sélectionnez à partir de vos rétentions secondaires. C'est pour ça que, par exemple, vous écoutez Hendrix pour la première fois, vous connaissez surtout les Stones, vous allez par avance projeter les Stones dedans. Les Stones dedans. C'est pas tellement Hendrix que vous écouterez, c'est ce que Hendrix fait aux Rolling Stones. Et à ce que vous avez entendu dans Rolling Stones. Oui ? C'est-à-dire qu'il y a une période où nos rétentions secondaires se forment ? Bien entendu. Bien entendu, et ça on va en reparler. Je vous parlais tout à l'heure d'archi-protension et je vous parlerai bientôt d'archi-rétention. D'accord ? Mais pas maintenant. Mais c'est une très bonne question et on va en reparler. En fait, les rétentions secondaires affectent tout ce que j'entends. Évidemment, quand j'ai déjà entendu la pièce, le morceau de musique que j'écoute, la première fois que j'ai entendu affecte la deuxième fois, donc... Là, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais c'est aussi vrai pour la première fois que vous entendez la musique. La première fois que vous entendez la musique, quand vous n'avez encore jamais entendu la musique, elle est affectée non pas par des rétentions secondaires de la première fois où vous l'avez entendue, puisque vous n'avez jamais entendu, ça ne peut pas être le cas, mais elle est affectée justement par des rétentions secondaires qui viennent d'ailleurs, et pas forcément de la musique. Si vous faites écouter de la musique, par exemple, de Bali ou du Japon à quelqu'un qui n'a absolument aucune culture asiatique, il entendra des trucs bizarres dans cette musique. Et là, ce n'est pas une question de musique simplement, c'est une question de culture, par exemple de langue. Nous entendons beaucoup à partir de la façon dont nous parlons. Et la façon dont nous parlons, elle est habitée par des tas de choses, y compris notre vie intra-utérine. Je crois que vous en avez déjà parlé l'autre fois. Si vous n'avez pas grandi dans le ventre d'une mère qui gutturalisait quand elle vous portait, eh ben, vous n'arrivez pas à gutturaliser comme on gutturalise en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Parce que ces processus-là sont des processus de sélection qui sont faits, y compris dans votre corps. Voilà. Et c'est quelque chose qui... Ce sont des rétentions secondaires. Je réponds un peu à votre question, en fait. Si j'avais le temps, je vous dirais qu'en m'appuyant sur ce dessin, que je crois que je vous ai déjà montré une fois, que tout ça, ça prouve que, en fait, tout ce que je reçois... Ça vient, tout ce que je perçois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, tout ce que je touche même, ça vient remplir des attentes qui sont en moi. Les rétentions secondaires, qui sont du passé, elles ne sont pas seulement du passé. Elles sont aussi un rapport à l'avenir.
elles sont de l'attente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut parler d'attention. L'attention, c'est un effet de l'attente. Et cette attente qui est en moi, eh bien, je soutiens moi qu'elle procède d'un défaut d'origine. Mais ça, je ne vais pas le développer maintenant. Simplement, je vous le dis pour vous montrer que ces spirales signifient ça. En fait, ce qui nous constitue, nous, les êtres humains, à la différence des animaux, c'est que nous sommes vide au démarrage, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement indéterminés. Nous avons des capacités d'apprentissage absolument inouïes, nous les êtres humains, parce qu'en fait nous n'avons quasiment aucune détermination à nous comporter comme ceci ou comme cela. Nous n'avons pas d'instinct, si vous préférez. Et ce qui nous constitue en tant qu'être humain, c'est notre prothéticité, c'est notre capacité à intérioriser des artifices, la langue, la musique, les instruments, le monde dans lequel nous grandissons, et non pas des réalités de la nature. Bon, je ne vais pas développer ce point, ce n'est pas le cœur de ce cours, mais c'est à l'horizon du cours, donc je tenais à vous le dire. Je vous montre ces spirales, en fait, juste pour vous dire que ce que vous voyez là, ces spires là, c'est une manière de représenter des accumulations de rétention. Vous pouvez voir là, par exemple, cette spirale là, elle peut figurer des milliards de milliards de spires, hein, voilà, qui sont des choses qui m'arrivent depuis le début de ma vie. Et ce sont des souvenirs qui sont plus ou moins présentables à ma conscience. Il y en a qui sont presque effacés, d'autres qui sont très frais, ce qui m'est arrivé tout à l'heure ou hier. Et ce que vous voyez là, la petite flèche qui est là, excusez-moi, ça c'est quelque chose qui est en train de vous arriver. Et ce qui est en train de vous arriver, qui s'oriente vers quoi? Ben vers ce point-là, qui est un point à l'infini, qui n'est pas totalement l'infini, parce que c'est le point où votre histoire va s'arrêter. C'est là où vous serez mort. Mais je vous signale que c'est vraiment l'infini, parce que ça ne vous arrivera jamais, votre mort. Vous ne la vivrez pas, votre mort. Puisque précisément, vous serez mort. Donc, ou morte. Vous ne pourrez pas vivre votre mort. Ça arrivera aux gens qui vous aimaient, ça arrivera aux gens qui vivaient parmi vous, mais vous, ça ne vous arrivera jamais. Donc c'est un point à l'infini. C'est un point que vous n'atteindrez jamais. Et qui fait que vous serez toujours inachevé, en fait. Ça constitue une dynamique des rapports entre le passé et le futur, entre lesquels il se trouve le présent, qui est ce qui vous arrive en ce moment même. Oui. Et on pourrait supposer qu'on puisse atteindre le point au centre, ça veut dire qu'on sera achevé, qu'il n'y aurait plus possible qui serait susceptible de nous arriver. D'une certaine manière, on peut dire ça, mais... Enfin, c'est une vaste question, tout ça. C'est une vaste question. Je propose qu'on ne s'y engage pas trop, parce que là, on entre dans des sujets qui dépassent le cours, même si je ne suis pas contre, on en discute, mais comme on est un peu à la bourre aujourd'hui, je préfère qu'on n'en parle pas maintenant. Quoi qu'il en soit, les rétentions secondaires, donc, que vous voyez là, ces spires, ce sont d'anciennes rétentions primaires, comme vous le voyez, le schéma le montre bien, qui ont donc été des sélections primaires, donc des oublis, ce que je vous disais tout à l'heure. Ces oublis sont produits en fonction des critères des rétentions secondaires précédentes, elles-mêmes issues d'oublis antérieurs. Donc tout ça, c'est une accumulation d'oublis qui produit de la mémoire. Mémoriser, c'est oublier. C'est ça que j'essaye de vous dire maintenant. Si rien n'était éliminé, si rien n'était sélectionné, on ne pourrait pas retenir quoi que ce soit. Il ne se passerait rien. Rien ne pourrait m'affecter. Qui est-ce qui dit ça le mieux, selon moi? C'est Jorge Luis Borges qui est l'auteur de ce recueil de nouvelles que je vous invite à lire. Ce sont des petites nouvelles qui se lisent très 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 vite. Elles sont absolument formidables, extraordinaires. Vous les trouverez dans toutes les bibliothèques. Et dans ces nouvelles, il y en a une en particulier qui s'appelle « Funès ou la mémoire ». Et dans cette nouvelle, Borges nous montre que admettons que j'ai une mémoire infinie. Infinie voulant dire qu'elle ne sélectionne pas. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas limitée, autrement dit. J'ai une capacité de mémorisation parfaite. Admettons, par exemple, que demain, je me souviendrai qu'il avait une chemise bleue, lui un t-shirt vert, elle une écharpe à rayures rouges, etc., etc. Admettons que tout ça me reste comme ça dans la tête. En fait, c'est ce qui arrive à Funès. Funès avait ça existe, ça s'appelle les hypermnésiques, c'est une maladie. Funès avait une maladie qui faisait qu'il était capable de se souvenir d'absolument tout ce qu'il voyait. Ça existe, il y a eu une émission par exemple il y a une quinzaine d'années sur Arte qui montrait qu'un jeune garçon, très souvent les hypermnésiques sont autistes, un jeune garçon, si vous lui montriez par exemple la façade
pas l'hôtel de ville de Compiègne, il était capable de vous le redessiner comme un appareil photo. En général, les gens ont un don pour le dessin exceptionnel. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup des pierres mésiques qui sont célèbres, ce sont des cas de la psychiatrie, en fait. Imaginons que nous sommes dans ce cas-là. C'est le cas de Funès. Hein. Funès se souvient absolument de tout. Imaginons maintenant que vous êtes un hypermnésique comme ça, et que je vous dis, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais hier? Quelle heure est-il? Il est 17h10. Qu'est-ce que tu faisais hier à 17h10? Et vous allez me commencer à me raconter ce que vous avez fait hier à 17h10. Et vous allez me le raconter, en fait, en retraçant les 24 heures qui vous séparent. Parce que vous allez raconter absolument tout ce qui vous est arrivé. Tout ce qui s'est passé, 24 heures exactement, n'est pas sélectionné. Vous allez répéter le présent d'hier, non pas comme du passé, mais comme du présent. Et qu'est-ce qui va arriver à la dernière minute de la 24e heure? Qu'est-ce qui va se passer? On sera le lendemain. Pardon? On sera le lendemain. Ben on ne sera pas le lendemain, parce que justement, on arrivera au moment où je vous pose la question, qu'est-ce que tu faisais hier à cette heure? Et ça va enchaîner. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en boucle. On va être pris dans un processus qui va nous sortir du présent. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir accéder au présent. C'est évidemment, ce que je vous dis là, une fiction, hein, comme le dit le titre du livre. D'ailleurs, le livre ne raconte pas ça comme ça du tout, mais c'est bien ça l'enjeu. Parce qu'à la fin, Funès, qui devient de plus en plus hypermnésique, à la fin n'est plus là. Il est carrément, il ne peut plus vivre dans le présent. Comme ces autistes, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on appelle les hypermnésiques. Si je ne diminue pas hier, je ne peux pas m'en souvenir. Ça n'est plus du souvenir, c'est du présent que je n'arrive plus à oublier. Comme quelqu'un qui a eu un traumatisme accidentel, par exemple, ça arrive, hein, il y a des gens qui ont des accidents extrêmement graves, ils ne peuvent plus sortir de leur accident. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus capables de réduire l'événement, ils ne peuvent donc plus sélectionner, et donc le temps ne passe plus. Rien ne m'arrive dans ce cas-là, rien ne peut m'arriver, et donc il n'y a plus de présent, parce que pour que quelque chose se présente, il faut que la chose m'arrive, bien entendu. Il n'y a donc pas de passé non plus, et il n'y a donc pas d'avenir non plus. Il n'y a plus de temps. Ça, c'est ce que raconte cette nouvelle qui a été publiée la première fois en 1942 à Buenos Aires. Ce texte-là, avec ce dessin-là, qui est magnifique. Me souvenir d'hier, autrement dit, avoir un passé, c'est réduire hier à moins qu'aujourd'hui. C'est aussi ce que dit Henri Bergson dans Matière et mémoire. Il ne peut y avoir de mémoire que finie, et cette finitude, que j'appelle moi la finitude rétentionnelle de la mémoire, je prends ici une expression de Jacques Derrida, c'est la condition de la conscience, en tant que la conscience est toujours temporelle. La conscience temporelle, c'est ce à quoi il peut arriver quelque chose dans le présent, uniquement dans la mesure où elle diminue ce présent pour le faire passer, et en faire du passé. Ce qui est vrai de la rétention secondaire, c'est-à-dire pour que la rétention secondaire m'arrive, il faut qu'elle soit moins grande que les 24 heures de ce qui m'est arrivé depuis 24 heures, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est aussi vrai, évidemment, de la rétention primaire, c'est-à-dire que comme la rétention secondaire doit diminuer par rapport au présent, pour devenir du passé, la rétention primaire doit elle-même diminuer à l'intérieur du présent, pour pouvoir se présenter, c'est-à-dire pour que je la sélectionne et qu'elle m'affecte, pour qu'elle m'arrive. C'est pour ça que la rétention primaire est forcément une sélection. Ça, on l'a déjà vu. Donc, bah oui, d'accord, Stiegler répète la même chose. Oui, mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est que ça a des conséquences fondamentales au cinéma. Parce que finalement, tout ce dont je vous parle là, c'est fait pour vous aider et m'aider à penser le cinéma. Alors, je ne vais pas encore vous parler du cinéma tout de suite. Enfin, si, je vais vous parler du cinéma. Mais pas sous cet angle-là, de la nécessité de réduire, pas simplement ce qui m'arrive pour que demain je puisse m'en souvenir. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, comme Bergson me dit. Mais par exemple, pour faire un film. Je vous donne simplement un exemple, vous allez faire un film qui raconte une histoire de 50 ans. Mais votre film n'a pas duré 50 ans, vous êtes d'accord avec moi. Hein, vous ne pouvez pas me faire un film qui dure 50 ans. L'art du cinéma, ça va consister essentiellement à réduire le temps de ce qui est raconté
par un film qui ne correspond pas au temps de ce qui est raconté. Et c'est pour ça que le montage est fondamental au cinéma. Au cinéma, il est extrêmement rare que vous ayez un plan séquence qui respecte le temps de ce qui se passe. Ça arrive. On l'a vu l'autre fois dans l'éclipse. En fait, on l'a vu un peu rapidement. Ce qui se passe dans l'éclipse, que nous avons eu l'autre fois, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a une minute de silence. Et cette minute de silence, si vous prenez votre chronomètre, elle fait une minute. Ça, c'est extrêmement rare au cinéma. Il est très rare qu'au cinéma, on raconte une minute en une minute. Parce que si on racontait à chaque fois une minute en une minute, on serait obligé de raconter 50 ans en 50 ans. Donc en fait, d'habitude, on raconte une minute à travers ce qu'on appelle au cinéma des ellipses. D'accord ? Est-ce que ces ellipses sont des éclipses ? C'est une grande question. C'est ça le sujet de l'éclipse, pour moi. Si ça s'appelle l'éclipse, c'est parce que c'est une ellipse, c'est une question de l'ellipse. En fait, ce qu'essaye de ne pas faire Antonioni, c'est des ellipses. Par exemple, les 7 premières minutes du film, qui sont extrêmement longues, elles sont extrêmement longues parce qu'elles racontent 7 minutes de la vie de Victoria et de Ricardo. Et ça ne va pas du tout, ils ont passé une très mauvaise nuit, ils vont se séparer, etc. Et pendant 7 minutes, vous voyez 7 minutes de la vie de Ricardo et c'est pénible. C'est pénible. Les films d'Antonioni sont pénibles. Et ils sont fantastiques à cause de ça aussi. Mais par opposition, vous voyez que quand on est à la bourse, sauf dans le cas de la minute de silence, on raconte à toute vitesse finalement des choses qui se passent sur du long temps. Ça accélère d'un seul coup. Et ça, c'est le cinéma. C'est ça que les gens vont chercher au cinéma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, à Hollywood, on fait des montages extrêmement serrés, comme on dit, et on mitraille le montage. Ce qui fait d'ailleurs de la soupe cinématographique, c'est plus du tout intéressant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de vous dire, et à partir du cas que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir l'audition d'une mélodie enregistrée sur un support phonographique, cette rétention secondaire que j'ai retenu de l'autre fois, par exemple, j'ai écouté un morceau l'autre fois, j'en ai une rétention secondaire, elle est indissociable de la rétention primaire. Elle se présente à moi au moment de la réécoute de la rétention primaire. Ou alors, dans d'autres cas dont je vous reparlerai, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Mais aussi, dans le cas là, dont nous avons parlé depuis le début, elle est indissociable de la rétention tertiaire. C'est-à-dire que l'expérience que je viens de vous raconter, j'écoute, je réécoute, etc., eh bien, elle n'est possible que depuis qu'il existe des phonographes. C'est ce que je vous avais dit il y a 2 ou 3 semaines. Il n'y a que depuis 1877 qu'on peut répéter un morceau de musique. Il n'y a que depuis 1895 qu'on peut revoir quelqu'un sortir d'une usine ou un train entrer dans une gare. Ça, c'est très très important. Il y a une histoire des rétentions tertiaires. Et cette histoire des rétentions tertiaires, elle transforme les conditions dans lesquelles nous oublions, ou nous mémorisons, ou nous anticipons. L'apparition du cinéma, par exemple, ça transforme notre manière d'attendre, de regarder, d'écouter, etc. Et ça modifie profondément également la vie d'Anita Ekberg. Parce que maintenant, je vais vous reparler d'Anita Ekberg. Et ça modifie, à travers la vie d'Anita Ekberg, ça modifie notre vie à nous aussi. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, avant de vous le montrer, je vais vous parler encore un petit peu de Husserl. Ce que j'appelle la rétention tertiaire, R3, c'est ce que Husserl appelle en allemand « Bildbewusstsein », c'est-à-dire « conscience d'image ». Dans ce texte-là, que je vous laisserai lire plus tard, si vous revoyez ce cours, cet enregistrement. Grosso modo, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous le cite. Il nous faut encore examiner de quel type est la représentation dont il est ici traité, à savoir ce qu'il appelle la Bildbewusstsein, la conscience d'image. Tel qu'il y oppose le souvenir, Erinnerung en allemand, ou Retention également. Il dit ici, l'Erinnerung, le souvenir, c'est-à-dire quand je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, ou la semaine dernière, quand j'ai écouté le cours de Stigler, ou la première fois que j'ai entendu les Rolling Stones, etc., etc. Ça n'est pas du tout la même chose que la conscience d'image, la Bildbewusstsein.
ça, la Bildbewusstsein, c'est une c'est ce qu'il écrit ici, représentation au moyen d'un objet ressemblant, comme dans le cas de la figuration consciente par image, tableau, buste. Au contraire de cette représentation par un objet ressemblant, par conscience d'image, les reproductions, les rétentions secondaires, autrement dit, que j'ai dans la tête, ont le caractère de la représentation en personne. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui ressemble à mon souvenir que je vois. Non, c'est mon souvenir lui-même qui se présente à moi. D'accord ? Alors, c'est compliqué, hein, les discours de Husserl, c'est jamais très, très, très facile d'accès en première analyse. Je vais vous donner des exemples de ce que dit Husserl, ça deviendra plus clair, je crois. Avant de vous en donner des exemples, je voudrais vous dire comment je conçois ce qu'il dit, comment j'entends ce qu'il dit. Il dit que la figuration par image, l'objet d'une conscience d'image, ne joue aucun rôle dans la constitution d'un objet temporel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. En fait, la rétention secondaire, c'est très important. Les souvenirs en personne, comme il dit, c'est très important. Mais les pseudo-souvenirs, par exemple, ce qu'on vend dans les boutiques de souvenirs, les tours Eiffel qu'on vend à côté de la tour Eiffel ou au Sacré-Cœur ou ailleurs, ou les tableaux qu'on voit, par exemple, quand je vois un tableau de Napoléon, comme je vous en ai montré une autre fois, je ne vois pas Napoléon. Donc je ne peux pas dire que c'est un souvenir que j'ai de Napoléon, dit Husserl. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas avoir un souvenir de Napoléon, je ne l'ai jamais vu. Voilà ce que dit Husserl. À partir de là, étant donné que ça ne m'est pas arrivé à moi, Husserl dit, ça ne joue pas de rôle dans la constitution de ma mémoire. Pourquoi? Parce que c'est un souvenir qui n'a jamais été perçu, en fait. Je n'ai jamais perçu Napoléon, donc ça ne peut pas être un souvenir de moi, c'est un souvenir de celui qui a vu Napoléon et qui a peint Napoléon. Pour lui, c'est un souvenir. Mais pas pour moi. Pour lui, oui, il a vraiment vu Napoléon, il a peint Napoléon, il s'appelle David, par exemple, et donc c'est un souvenir de David. Je vois une trace d'un souvenir de David, mais ce n'est pas mon souvenir. Voilà ce que dit Husserl. Il pose en principe que ça n'appartient pas à la sphère de l'ego transcendantal, ce que j'avais appelé l'autre fois l'ego transcendantal, et à partir de là, ça ne peut pas constituer mon rapport au temps. Prenons un exemple. Un tableau du 19e siècle. En voilà un, pas mal. Est-ce que quelqu'un le connaît? Vous connaissez ça? Il n'est pas très connu, en fait. Le personnage est très 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 connu, mais le tableau n'est pas très connu. Parce qu'il n'est pas typique du personnage. En fait, ça, c'est un autoportrait. De qui? Pardon? Non, ça ressemble un peu au Rembrandt, mais c'est pas Rembrandt. C'est Manet, Edgar Manet. C'est une sorte de souvenir que Manet produit de lui-même, d'une certaine manière. Voilà comment il se voit au moment où il le peint. C'est un tableau du début de Manet, donc il n'est pas typique de Manet, c'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnu. Et pour Husserl, on ne peut pas dire que c'est pour nous un souvenir de Manet. Non, il dit que c'est un souvenir de Manet pour Manet, mais pas pour nous. Alors qu'est-ce que dit Husserl de ça? Ah, ça c'est un endroit. Qui c'est ça, à votre avis? C'est Manet lui-même, oui. C'est pas Manet peint par Manet, c'est Manet pris en photo. Il est d'ailleurs magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est ce qu'on appelle un beau mec. Et la photo est magnifique aussi. C'est-à-dire qu'elle est splendide. Voilà, c'est vraiment une photo comme on rêve d'en faire. La présence de Manet, vous vous souvenez de la présence de Baudelaire, ben là, il est présent, c'est incroyable, quoi. Il vous regarde avec une espèce de tranquillité en plus. On a envie de se faire copain avec lui. Hein. Mais ça, pour Husserl, c'est toujours pas un souvenir pour nous. Pour Husserl, c'est pas un souvenir pour nous. Mais pour Roland Barthes, c'est un souvenir pour nous. Pour Roland Barthes, et pour moi aussi, comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois, ces photons qui émettaient le visage de Manet en 1800, je sais pas combien, 70, 75, eh bien, ils viennent affecter notre rétine par l'intermédiaire de l'objectif, etc. Et d'une certaine manière, ce qui touche nos rétines maintenant, là, quand vous regardez ça, ça a touché, d'une certaine manière, ça a été touché plus exactement par le visage de Manet. Bon, c'est compliqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la photo, eh bien, elle produit un autre phénomène que la peinture, parce que, et c'est ce qu'expliquait très bien Roland Barthes, vous en souvenez, on va d'ailleurs y revenir, la photo, elle m'affecte dans le réel. C'est le « ça a été Manet », c'est Manet que je vois. C'est pas une peinture de Manet par Manet, c'est Manet lui-même que je vois. Même si, évidemment, il est mort. Donc,
C'est compliqué. Mais il y a une couche de souvenirs dont on voit bien qu'elle n'est pas simplement une Bildbewusstsein, une conscience d'image simplement. Et peut-être que c'est tout aussi vrai de ça d'ailleurs. Est-ce que je ne suis pas habité fondamentalement par toutes les peintures que j'ai vues? Moi c'est ce que je crois. C'est d'ailleurs ce que disait Manet. Manet a fait une peinture, vous avez dû en entendre parler, qui s'appelle Olympia. Cette peinture a été rejetée, et non seulement rejetée, mais condamnée. C'est une époque aussi où on condamnait Baudelaire, on a interdit les fleurs du mal de Baudelaire, on condamnait Flaubert, Madame Bovary, parce que c'était un roman immoral, parce que une femme trompait son mari, etc. Donc c'est l'époque de Napoléon III, c'était une sombre époque, et c'était une époque très, très répressive. Et Manet a été condamné parce qu'il a peint une femme, qui est une prostituée, et avec une espèce de, comme ça, de clarté, si je puis dire, de la peinture de la prostitution. Ça a fait scandale. Le tableau a été refusé au salon d'automne, etc., etc. Et ça a fait toute une discussion, en fait. Et il y a un texte de quelqu'un dont j'arrive plus à retrouver le nom, qui raconte que c'était un critique d'art, qui défendait Manet et qui parlait avec lui de ça, qui a beaucoup, évidemment, contrarié Manet. Et donc il disait « Défendez-vous », etc. Et Manet a dit « Laissez tomber, leur œil se fera. Il est trop tôt. Ils ne sont pas capables de voir ce tableau-là. Il est trop tôt. » Qu'est-ce que ça veut dire « leur œil se fera » ? Ça veut dire que nos yeux ne sont pas faits de nerfs optiques, de rétines, de bâtonnets, de tout ce que vous voulez, de cristallins. Ils sont faits de tout ça, bien entendu, mais ils sont surtout faits de ce qu'ils ont déjà vu. Et en fait, ils s'habituent à voir des choses nouvelles. Si vous montriez un Picasso à l'époque de François Ier, évidemment, ça serait rejeté. Quand vous avez montré un Picasso à l'époque du Picasso, c'était aussi rejeté. Aujourd'hui, ça n'est plus rejeté. D'accord ? Parce que l'art, c'est quelque chose qui ouvre des capacités de perception et de compréhension nouvelles. J'ai dit François Ier tout à l'heure parce que j'aime bien citer ce film avec Fernandel qui s'appelle François Ier, où Fernandel tombe à l'époque de François Ier, il raconte des choses sur le XXe siècle, et c'est assez rigolo de voir comment le temps passe et ce que ça produit dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, si nous regardons un tableau, par exemple celui-ci, ça c'est encore Manet, vous voyez qu'il a vieilli, hein. Il est devenu Manet entre-temps, c'est-à-dire que ça c'est le style typique de Manet. N'importe qui connaît un peu Manet dit tout de suite, ça c'est Manet. Voilà. Manet est rentré dans notre manière de voir, c'est pour ça que nous sommes capables de dire, mais ça c'est Manet, même si on n'a jamais vu le tableau, on reconnaît tout de suite Manet. C'est parce qu'il rentre en nous, voilà. Il modifie nos manières de voir, et ça signifie que la rétention tertiaire joue un rôle évidemment dans la construction de nos rétentions secondaires. D'accord ? Parce que le tableau, c'est une rétention tertiaire. Une Bildbewusstsein. Mais dans la phénoménologie husserlienne, c'est exclu. Seul ce qui relève du vécu de conscience est strictement indubitable et peut être pris en compte dans l'analyse pour Husserl. Donc c'est la raison pour laquelle Husserl va évacuer la rétention tertiaire. En fait, Husserl n'a pas bien intégré l'appareil photo, l'appareil de cinéma, l'appareil phonographique, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. En 1905, tout ça, ce sont des nouveautés. Plus récentes que naît pour nous le web. Voilà. Donc, il a du mal à penser tout cela, et c'est tout à fait normal. Il y a quelqu'un qui pense ça, qui s'appelle Béla Bartók, qui est là, vous le voyez là. Béla Bartók, grand compositeur hongrois. Si vous connaissez un peu Bartók, vous savez que la musique d'Europe centrale, en particulier musique de Transylvanie, ça ce sont des paysans de Transylvanie, la musique tzigane, enfin, beaucoup de musiques de cette époque ont été extrêmement importantes dans la formation de son oreille, mais ce que dit Béla Bartók, c'est s'il n'avait pas eu cet appareil qui est là, qu'est-ce que c'est qui est là? Plus fort? Un phonographe, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce phonographe? Il est en train d'enregistrer. C'est un de ces phonographes de l'époque qui était à la fois des systèmes d'enregistrement et de diffusion, et il demande à cette dame qui est en train de chanter, un chant transylvanien typique. Pourquoi est-ce qu'il lui demande de chanter? C'est parce qu'à l'oreille, il n'arrive pas à transcrire. Trop compliqué. Et donc, il utilise la rétention tertiaire, et il fait la même chose que Charlie Parker fait exactement à la même époque, d'ailleurs, 1937. Il ralentit le plateau. Il fait tourner, c'est un 78 tours, il le fait tourner en 10 ou 15 tours pour pouvoir décomposer à l'oreille et transcrire. Et c'est comme ça qu'il va, à partir de ces processus de transcription, que Bartók va faire sa musique. C'est lui qui explique ça, c'est pas moi. Hein. Il explique ça dans un,
un article, dans un entretien qu'il a donné en 1937 à la radio hongroise, qui lui demandait, est-ce qu'il faut écouter votre musique à la radio? Il disait, non, surtout pas, sauf si vous lisez la partition en même temps. Et là, il a dit, je suis pas du tout contre la radio, je suis pas du tout contre le phonographe, mais je suis pour un usage intelligent de ces choses-là, et pas pour détruire la capacité d'écouter la musique. Alors, ça n'est que depuis qu'il existe des prothèses de ce type, le phonographe, l'appareil photo, le cinéma, qu'il est possible de répéter deux fois la même objet temporel. Avant, c'était tout à fait impossible. Et ça transforme notre façon de comprendre ce que c'est que la mémoire, le temps, la conscience. Et Husserl n'arrive pas à le comprendre parce que lui-même, c'est encore un homme du 19e siècle. Il fait son séminaire en 1905, mais il pense encore avec le 19e siècle. Même si à la fin, il va changer. Il va continuer à écrire sur ces sujets jusqu'en 1936, et même 1937. Et à partir de là, au cours de ces années-là, il va changer, mais ça, je ne vous en parlerai pas. Alors, vous savez que, maintenant, nous avons vu ça dans le premier cours, les deux principes fondamentaux du cinéma, vous savez qu'un objet analogique, que ce soit un phonographe, une photo, une caméra, c'est quelque chose qui est capable de créer une coïncidence entre le flux de ce qui est saisi et le flux de ce qui enregistre. Vous vous en souvenez de ça? Et c'est pour ça qu'une photo peut produire un effet... Ça, c'est une photo que je tenais à vous montrer. C'est Roland Barthes dans les bras de sa maman. Il ne nous l'a pas montré, celle-là. Et c'est très touchant. Je pense que Roland Barthes se trouvait horrible, et donc il ne voulait surtout pas qu'on le voie. Mais voilà, la mère de Roland Barthes, dont je vous ai parlé autrefois, elle est là, et c'est très émouvant. Vous voyez bien que c'est Roland Barthes que vous voyez. C'est Roland Barthes enfant, et pas simplement sa mère enfant. C'est lui enfant. Et c'est très, très touchant. Parce que vous savez que c'est lui que vous voyez, et non pas une reproduction un peu approximative de Roland Barthes enfant, parce qu'il est exactement ce qu'il disait sur les photos dont il parlait, c'est-à-dire que c'est une émanation de Roland Barthes lui-même lorsqu'il a peut-être 8 ou 9 ans, ou 10 ans. Et si c'est possible, c'est parce qu'au moment où il a été saisi par cette photographie, eh bien, le temps de la saisie, autrement dit, le temps d'émission de photons de la saisie, a été saisi dans les conditions de restitution de ce qui s'est passé. Donc ce que vous voyez là, l'émission photonique, coïncide avec l'émission photonique qui se produisait au moment où la photo a été faite, il doit y avoir une bonne centaine d'années. On a célébré le centième anniversaire, non, il y a 90 ans, c'était le centième anniversaire de Roland Barthes. Je sais que quand je regarde une photo ou un film, le flux de ma conscience au moment où je regarde le film coïncide avec le flux de l'enregistrement du film. Quand un projecteur est en train de projeter une image animée sur un écran, eh bien ça coïncide avec moi. D'accord ? Pardon, ça coïncide. Le flux de ma conscience en train de regarder ce qui se passe coïncide avec le flux de l'émission de photons qui est produite par les plans. Par les plans, évidemment, qui sont des plans, c'est-à-dire qui sont montés, et c'est tout le problème. Dans les plans, quand je regarde un plan, ça coïncide, et puis il y a un montage, mais ce montage, si le monteur est bon, et si le metteur en scène est bon, je ne vais pas le sentir passer, je ne vais pas m'en apercevoir. Je vais en sentir les effets, en réalité. Je ne vais pas avoir l'impression que c'est décousu, je vais avoir l'impression que ça enchaîne très bien. D'accord ? Donc c'est ça l'art d'un monteur, c'est de faire en sorte que, même s'il y a de la discontinuité entre les plans, pour maintenir l'effet de réel constitué par le flux, en réalité, il y a un sentiment de continuité. Alors, voyons maintenant les conséquences qu'il faut tirer de tout cela sur Intervista. Qu'est-ce qui se passe dans Intervista? Vous avez ces trois personnages extrêmement célèbres qui se rencontrent à l'initiative de ce type-là, qui s'appelle Federico Fellini. Federico Fellini, je ne sais pas comment ça lui est venu cette idée, je ne sais pas si c'était conçu au départ du tournage du film, si ça lui est venu vraiment par hasard en rencontrant Mastroianni, peut-être, pourquoi pas. Ce metteur en scène travaille beaucoup comme ça. Peut-être qu'au contraire, c'était délibéré, qu'il y pensait depuis très longtemps, j'en sais rien. Mais le résultat est là, il va faire se rencontrer ces deux personnages. Que tout le monde connaît. Mastroianni, archi connu, un peu moins connu, mais même extrêmement connu aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Fellini met en scène
Mastroianni qui vient rendre visite à sa vieille copine Etta Egbert qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Peut-être qu'ils se sont plus jamais vus depuis 27 ans. On n'en sait rien. Peut-être pas. Ce serait un peu étonnant, mais on ne sait jamais. Donc Mastroianni, qui fait, je vous le rappelle, des publicités pour la télé, pour pouvoir vivre, va voir cette femme, qui était une splendeur, qui est absolument une splendeur, encore que là, elle a un sourire magnifique. Et au cours de la soirée, le magicien Mastroianni, qui s'appelle Mandrake dans le film, fait revenir le passé, comme il dit. Et qu'est-ce qu'il fait revenir là, dans cette salle, qui est l'appartement, enfin la maison, la villa de Agnetha Ekberg? Nous sommes chez Agnetha Ekberg. Il y a là, au premier plan, qui est-ce qui est là? Vous savez, vous vous souvenez qui est devant, en train de regarder? Les journalistes japonais. Il y a des journalistes japonais, en fait, à qui Fellini explique ce que c'est qu'un film. Un film de Fellini. N'oubliez jamais ça. En fait, il y a même quatre films dans le film, hein, qui se déroulent en parallèle. Et qu'est-ce qu'il voit? Une scène qui s'appelle la scène de la fontaine de Trèves, Trevise, comme on dit en italien. Une scène de la Dolce Vita. Et quant à nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons cette actrice qui est du passé. Elle devait avoir 22 ou 23 ans à ce moment-là. Regardée par cette actrice qui est la même actrice. On voit donc cette actrice-là, Agnetha Ekberg, en train de jouer à regarder cette actrice-là qui s'appelle aussi Agnetha Ekberg. Ça s'appelle jouer son propre personnage. Et il en résulte une tension incroyable. Parce que c'est une scène indécidable. C'est du cinéma. C'est du cinéma, on le voit très bien, c'est mise en scène. Là, le cinéma, on voit bien qu'on est en train de on est dans un artefact. C'est donc du cinéma. Nous savons que c'est du cinéma. Nous savons qu'Agnetha Ekberg fait ce que lui dit de faire Fellini. Il lui dit fais ci, fais ça, etc. Les répliques, les discussions entre Ekberg et Mastroianni sont écrites par Fellini. En tout cas, on peut le supposer. Et en tout cas, il y a des prises et des reprises. Donc tout ça est totalement artificiel. Et en même temps, on ne peut pas se dire que c'est artificiel. C'est pas possible. On ne peut pas se dire qu'Agnetha Ekberg s'en fout de regarder Agnetha Ekberg à 27 ans. Et que ça ne lui arrive pas à elle. Que ce n'est pas vraiment sa vie. On ne peut pas ne pas se dire que ce n'est pas un personnage qu'elle joue. Parce que de fait, elle ne joue pas un personnage. Elle vit sa vie devant nous. Avec Fellini. Autrement dit, Agnetha Ekberg est en train de regarder le « ça a été photographique ». D'accord ? Elle peut se dire, alors elle ne se dit pas comme je vous le dis, moi, il y a des photons qui ont touché à des caméras de Fellini il y a 27 ans. Non, elle ne se dit pas ça, mais c'est ce qu'elle vit. C'est-à-dire qu'elle se dit, ça c'était moi. Et elle voit cette conjonction de réalité et de passé dont parlait Roland Barthes, grâce à la production argentique qui ranime son passé à travers le flux temporel cinématographique. Et ce qu'elle voit, j'ai commis une faute, excusez-moi, je me suis trompé d'image. Tant pis, bon, je vous remontre. Je voulais vous montrer autre chose, mais je saute une image. Ce qu'elle voit, c'est un film de fiction. On voit une actrice qui joue à regarder cette actrice, elle-même, en train de jouer, mais on la voit comme un personnage réel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas la voir comme un personnage réel. Nous ne pouvons pas ne pas nous dire, c'est impossible, qu'est-ce qu'elle doit en baver de se voir là, 27 ans plus tard, c'est dur pour elle, c'est terrible. C'est atroce même, on pourrait dire. Ça a d'ailleurs dû être extrêmement pénible pour elle. Elle regarde une fiction, c'est la Dolce Vita, voilà l'affiche de la Dolce Vita de l'époque, qui a d'ailleurs été produit en français au départ, qui s'appelait La douce vie. La douceur de vivre, pardonnez-moi. La douceur de vivre. Il y avait eu La fureur de vivre, paru pas très longtemps avant, très grand film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Quelqu'un l'a vu, La fureur de vivre? Non? Je vous recommande de le voir, c'est un film génial. Et d'un seul coup, il y a eu La douceur de vivre, de Fellini.
Ce que nous nous disons, c'est que quand on regarde Anita Ekberg, eh bien, c'est que ça ne peut pas être une simple fiction pour elle. J'ai fait des inversions d'image, excusez-moi, je suis désolé. Ce n'est pas une fiction pour elle. Elle n'est pas très en forme, en réalité. Hein. Comme Fellini nous le montre. Elle ne va pas bien. Elle voit à travers le film que même si le film la sauve, c'est-à-dire qu'elle est devenue immortelle, en même temps, ce qu'il lui montre, ce film, à Anita Ekberg, comme à vous et comme à moi, c'est qu'elle est mortelle. C'est qu'elle est condamnée à mourir, comme nous le sommes tous. Regardant à ce jouet il y a 27 ans, Anita Ekberg éprouve pour elle-même, en fait, ce que Roland Barthes a dit à propos de cet homme, qui s'appelle Lewis Payne. Lewis Payne, qui est représenté dans le livre de... dont cette photo est reproduite dans le livre de Roland Barthes, qui s'appelle « La chambre claire », c'est un jeune homme qui a été photographié quelques heures avant sa pendaison. Voilà ce qu'en dit Roland Barthes. En 1865, le jeune Lewis Payne tenta d'assassiner le secrétaire d'État américain Seward. Alexander Gardner, le photographe, l'a photographié dans sa cellule. Il attend sa pendaison. La photo est belle, le garçon aussi. C'est le studium, dit Roland Barthes. Ça veut dire c'est ce que voilà, ce genre d'observation qu'on se fait quand on est un peu cultivé. Ah, belle image, bon photographe, même le garçon, il est beau. Le punctum, c'est-à-dire ce qui nous touche. C'est pas ce qu'on sait quand on a étudié la photographie ou qu'on est un peu cultivé, mais ce qui nous touche en tant que nous sommes des êtres humains, tout simplement, c'est il va mourir. Nous voyons quelqu'un qui, 5 minutes plus tard, sera pendu. Il a été photographié juste avant d'être pendu. Et Barthes ajoute, je lis en même temps, cela sera, il va mourir, et cela a été, il est mort. Les deux se mélangent. J'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu, dit Roland Barthes. En me donnant le passé absolu de la pose, la photographie me dit la mort au futur. Ce qui me pointe, c'est la découverte de cette équivalence. Et Barthes ajoute, pour parler de lui-même, « Devant la photo de ma mère enfant, je me dis, elle va mourir, je frémis, etc. etc. » Je vous dis pas la suite. Il termine en disant, « Toute photographie est cette catastrophe. » Donc Roland Barthes nous dit, en fait, dans toute photographie, chaque fois que nous regardons une photographie, nous faisons l'expérience de cette possibilité que ce qu'on voit soit mort et qu'on le voit quand même. Et que donc, on voit la mort au futur. On voit un futur antérieur. Eh bien, cette réalité qui concerne la photo, que toute photographie est cette catastrophe, c'est-à-dire la possibilité de la mort, ça concerne évidemment le cinéma, puisque le cinéma n'est qu'une extension de la photographie. C'est ce que j'avais essayé de vous dire dans mon premier cours. Quant à Anita Ekberg, elle ne se dit pas « elle est morte, elle va mourir », elle se dit « je vais mourir, je suis mourante ». Et elle le voit à la fois sur l'image qu'elle regarde et sur elle-même, qui boit un peu trop. Ça se voit. Ce participe présent, je suis mourante, c'est celui du flux qui lui arrive. Elle est en train de se voir mourir, elle est mourante. C'est le flux de sa vie passée, c'est le flux qu'est le film, c'était un flux ce film, quand elle avait 22 ou 23 ans, où elle était enregistrée, mais c'est aussi le flux de sa conscience en ce moment où elle regarde, comme ici. C'est le flux de sa conscience en train de passer et où elle se dit... Elle sourit, mais elle ne sourit pas jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui l'emmène vers le non-temps, vers le non-passage du temps, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est quand il n'y a plus de passage du temps. C'est uniquement ça. Si ça est possible, si cet effet est possible, et évidemment cet effet... fonctionne surtout sur les gens comme moi qui ont vu la Dolce Vita avant nous à l'Intervista. Pour des gens comme vous, qui la plupart d'entre vous n'avez jamais vu la Dolce Vita, vous ne pouvez pas voir l'Intervista, tout simplement. Ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a une scène dont on va voir pourquoi maintenant, elle ne peut pas vous affecter comme elle peut m'affecter moi, par exemple. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout cela tient ici au fait que le film, en règle générale, quel que soit le film, pas simplement la Dolce Vita ou Intervista, c'est un objet temporel où, je cite ici Mastroianni, c'est lui-même qui dit ça, la chair de l'acteur se confond avec celle du personnage.
C'est Mastroianni qui raconte ça dans une interview. Il dit au cinéma, à force, vous jouez au cinéma et vos souvenirs d'être humain, eh ben, ils deviennent uniquement vos films, en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous regardez ce personnage-là, vous connaissez ce personnage? Oui? C'est Marlon Brando. Il n'avait pas connu cette photo. Il est tout jeune. Il commence tout juste à faire du théâtre, parce qu'au départ, il était comédien de théâtre. Ensuite, il est devenu comédien de cinéma. Ce personnage, vous ne pouvez pas le regarder sans voir Sur les quais, Apocalypse Now, etc. Toute l'accumulation de rétention tertiaire qui vous ont affecté, qui sont devenues pour vous des rétentions secondaires à travers les rétentions primaires que vous avez sélectionnées en regardant ces films. Qui vous hantent, oui? Une personne peut être hantée par les rétentions tertiaires. Non, un objet ne peut pas être hanté par les rétentions tertiaires. Un objet peut hanter. Et nous pouvons projeter sur un objet d'autres objets qui nous hantent, bien entendu. Mais là, quand nous regardons Marlon Brando, nous sommes hantés, évidemment. Par... Alors, peut-être que vous n'avez pas vu des films de Marlon Brando, c'est dommage pour vous. Ou plutôt, tant mieux pour vous, parce que vous allez les découvrir. Et ça vaut le coup, vraiment, de voir. Nous allons en voir un, de toute façon, bientôt. Qui est-ce qui va faire le tramway nommé Désir? Vous l'avez vu déjà? Donc nous allons revoir Marlon Brando dans toute sa splendeur. C'est un des films les plus colossaux qu'il ait jamais fait. Nous connaissons, par exemple, ces personnages qui ont vécu des instants de personnages et qui sont hantés par leur passé d'acteur. Cette femme, par exemple, que vous connaissez aussi, je pense, Catherine Deneuve, c'est une personne qui a fait énormément de films, c'est une des comédiennes qui a joué le plus de films. C'est d'ailleurs une extraordinairement grande comédienne. Elle est totalement hantée par ces personnages. Celui-là aussi, qui joue avec elle, là, qui s'appelle Gérard Depardieu, et qui est devenu un personnage terrifiant. Il est passé, vous le savez peut-être, en procès pour avoir cassé la gueule de quelqu'un. Mais il n'y a pas que lui qui a cassé la gueule de quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Pierre Léo. Quelqu'un connaît Jean-Pierre Léo ici? Jean-Pierre Léo, c'est un jeune acteur qui a été découvert par François Truffaut, qui est devenu très célèbre dans les années 60-70. Il a commencé à jouer tout petit, à 8-9 ans. Et puis en fait, il est devenu un peu dingue. Il frappait sur les gens, il était devenu méchant. Delon aussi, d'ailleurs. Et en fait, tous ces gens-là, par exemple, cette personne-là que vous connaissez bien, qui s'est suicidée, ne peuvent plus vivre en dehors de leur jeu, de leur personnage. Ils sont totalement hantés par leur personnage. Ils sont hantés parce qu'en réalité, ils sont hantés par des rétentions primaires qui ont été aussi des rétentions secondaires. Ils se souviennent d'avoir joué ce truc-là. Et quand ils revoient les films, ça redevient des rétentions. Ils sont explosés. Et c'est pas pour rien qu'on les paye très cher, d'ailleurs. Parce qu'eux le payent très cher. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez vu, par exemple, des films avec cette fantastique comédienne, Marilyn Monroe, ou avec Alain Delon, avec Depardieu, avec etc., et que ces gens vous ont frappé, et ils sont très frappants, on va voir Depardieu tout à l'heure dans une scène extrêmement frappante, d'ailleurs, et géniale. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'on peut adorer ces acteurs comme des personnages et les haïr comme des personnalités. Il est absolument détestable, Depardieu. C'est vraiment un personnage extrêmement détestable. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas l'aimer d'une certaine manière, en tout cas si on aime le cinéma. Et si on va au cinéma. Si par exemple, vous avez vu Marco Ferreri faire jouer Depardieu, c'est incroyable, quoi. C'est un type absolument génial. Alors, ce qui affecte, c'est ce que j'essaye de vous dire maintenant, et je vais conclure là-dessus, puis après on va enchaîner avec les TD. Ce qui affecte la mémoire des acteurs, ça affecte aussi la mémoire des spectateurs. Ça affecte la mémoire des spectateurs qui ont par exemple vu ce film. Ça, c'est la Dolce Vita. Si vous avez vu la Dolce Vita, et si vous l'avez vu à l'époque où c'est paru, ça ne peut pas être votre cas, mais c'est le mien. Moi, quand la Dolce Vita a été primée, j'avais 10 ans, quand ils ont reçu le prix du Festival de Cannes. Et puis je l'ai vu, je devais avoir 15 ans. Et puis c'est un film que j'ai revu plusieurs fois, parce que c'était un film absolument culte à l'époque. Et évidemment,
quand j'ai regardé Intervista, peu à peu, j'ai commencé à me souvenir de la Dolce Vita. Je ne savais pas du tout qu'il y avait la Dolce Vita dedans. Et à un moment donné, j'ai vu la Dolce Vita arriver, comme ces extraits que vous avez vus vous aussi. Demandons-nous ce qui se produit dans Intervista lorsque Intervista fait référence à la Dolce Vita. Pour quelqu'un qui a déjà vu la Dolce Vita, ce qui n'est pas votre cas. Si vous regardez la Dolce Vita, pardon, si vous regardez Intervista et que vous regardez dans Intervista la Dolce Vita, ce que vous voyez, c'est un morceau de votre passé. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, vous êtes dans la situation d'Annie Tagberg. Pas exactement la même. Vous n'êtes pas à l'écran, c'est Annie Tagberg qui est à l'écran. Mais vous vous projetez dans Annie Tagberg. Parce que quand vous regardez un film, de toute façon, ça ne marche que si vous vous projetez dans le personnage. Donc, c'est une partie de votre projection qui est projetée dans le film. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable. Par cette fiction qui est projetée dans une autre fiction, et à travers le fait que l'actrice principale est en train de regarder cette fiction 27 ans plus tard, comme vous, d'une certaine manière, vous avez affaire à quelque chose de très compliqué qu'on va analyser un peu précisément et à partir de quoi je vais conclure. Vous regardez une rétention tertiaire. Vous êtes en train de regarder un film qui s'appelle Intervista. C'est une rétention tertiaire qui a pris un bout d'une autre rétention tertiaire qui s'appelle la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est un film, c'est d'abord du celluloïde. Bon. Qu'est-ce qu'a fait Fellini? Il a demandé au laboratoire, faites-moi une copie de tel passage de la Dolce Vita. Et il l'a monté. Il a pris un morceau de la Dolce Vita, une rétention tertiaire, pour produire une autre rétention tertiaire qui s'appelle Intervista. C'est donc un bout de film. Un bout de film qui est projeté dans un autre film et enregistré aussi dans le film. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement... Il y a un moment donné, c'est un morceau du film qu'on vous voit, mais à un moment donné, c'est une projection du film, pas un morceau du film. D'accord? Là, ce que vous voyez, ce n'est pas un morceau du film, c'est une projection du film. Deuxièmement, c'est un objet temporel, cet extrait que vous voyez, qui a été vu et qui a été revu, et re-revu, et qui est actuellement vu et revu, et par le spectateur du film, et par l'actrice principale du film. Vous pouvez le revoir parce qu'il est en DVD. Et que vous pouvez le reprojeter au cent de fois que vous voulez. Moi, j'ai analysé ce film grâce au DVD. J'ai pu faire des pauses, des arrêts sur image avec mon magnétoscope. Enfin, à l'époque, c'était encore pas exactement un DVD, mais une bande magnétique, mais peu importe. Autrefois, c'était pas possible. Vous n'aviez que des projections en salle. Donc, c'est une rétention tertiaire d'un nouveau type qui est apparue là, qui est la rétention tertiaire reproductible et projectable chez moi. Troisièmement, c'est aussi une rétention secondaire du spectateur. C'est-à-dire que cette scène que je revois, je l'ai déjà vue, donc je l'ai vécue, donc c'est un souvenir secondaire pour moi. Et comme cette spectatrice qui est ici affectée par le film, je peux l'être moi-même. Quatrièmement, c'est 172 minutes de ma vie. Parce que c'est à la durée de la Dolce Vita. Donc je revis 172 minutes de ma vie passée à travers ces quelques minutes. 172 minutes que j'ai vécu à l'époque comme une agrégation de rétention primaire qui ne s'arrêtait pas et que je revis en même temps qu'Anita le revit, que Fellini le revit, que Mastroianni le revit, que tous les journalistes japonais le revit, parce que ces gens-là connaissent tout ça. Et puis finalement, tout ça, c'est ce qui vient s'inclure aussi dans le flux de la conscience passante de quelqu'un qui s'appelle Annie Tagberg. Ça, c'est la dernière photo d'Annie Tagberg. Elle est morte cette année. Et ça, c'est une photo de tournage de la Dolce Vita, donc qui a été prise en 1959. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est une manière de vous ramener vers des questions absolument philosophiques et pas simplement cinématographiques. Ce que j'essaye de vous montrer à travers toutes ces analyses, c'est que si on veut comprendre ce qui arrive à la conscience temporelle, on ne peut pas séparer la rétention primaire, la rétention secondaire et la rétention tertiaire. Ce qui vous arrive, en tant que vous êtes des êtres non inhumains du XXIe siècle, j'espère pour vous, vous n'êtes pas inhumains, c'est conditionné aujourd'hui, pas simplement par les films, les émissions de radio ou de télévision, mais aussi par les tweets, les messages
SMS et Facebook que vous produisez ou que vous recevez, etc., etc. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'il est impossible de distinguer entre réalité, fiction, perception et imagination. Vous ne pouvez pas distinguer. Vous projetez en permanence sur la perception, les objets de votre perception, des éléments qui viennent non simplement de votre mémoire, mais de la mémoire collective. Et ça, c'est ce que refusait Husserl jusqu'en 1936, c'est-à-dire jusqu'à ce texte-là, L'origine de la géométrie, où d'un seul coup, il a posé que pour que la géométrie soit possible, il faut qu'on puisse être habité par les rétentions secondaires des géomètres précédents, grâce aux livres qu'on peut lire, qui permettent de construire des raisonnements géométriques à travers l'écriture, de contrôler son raisonnement, etc., etc. Et ça, c'est une bombe philosophique qu'à mon avis, d'ailleurs, la philosophie n'a pas encore tout à fait évaluée, à part Jacques Derrida, qui en a fait la traduction en français et la présentation dans sa préface. Voilà, on va s'arrêter là. On fait donc une pause de 3 minutes, le temps que vous veniez vous installer pour Alain Resnais. Si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, c'est tout de suite. Et on ne fera pas de pause entre les deux exposés. Merci beaucoup de votre attention.